Célébration de la journée internationale de la langue maternelle à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Les élèves des génies de fées ont présenté le journal en Kituba. Batata ba mama ba kunja luzolo, mbote na makanda ya beno. Pengulu ya kusikama da basambu ya beto. Ya kilungu ya bubu ya zole, bilungu taru, gonde ya tatu. Mufu mafunda zole na makumi zole na ina. Basambu ya beto na lukufi ni kembo zolo. Bubu na inza ya vimba ya mkembo mebutala banjinga ya bwana. Awa na kizunga Pointe-Noire, luyalu mekupika mkembo ya nene na inzo ya mambu ya toki. Mbame kubukula siyaki Afrika. Mkembo na lutuadusi ya Chardin Kala. Tuadisi ya mambu ya babuku pe kutanga awa na kizunga Pointe-Noire. Nakati ya basambu ya beto, beno kelanda bangululu na ina mekita la fumu ya banjinga. Na yao, beto kuendaka na lukolo lojele de fe, sao na kusala kimona meso. Na kutala mchini bame kupika manaka ya ndongo solo ya banjinga ya beto Kituba Pelingala. Kachi na malongi tuka mufu mekufiloka. Mbala mwosi chaka mbote kachi na makanda na beno. Na swal solo mhinda ya basamu. Nibu, kilungu ya zole, bilungu tanu, ngonde ya tatu, mufu mafunda zole na makumi zole na iya. Yinza ya mfimba kena kusala kembo solo ya kilungu ya banjinga ya bwana. Na yao, sana na kuzonze na fumu ya banjinga ya beto, kunje ya beto, kulu wako njingo, maki na kuzabisa. Mbima kena kusala kembo solo ya kilungu ya kupesa ya lupalu na banjinga. Samu tibanjinga ya beto ya mbotukulu, pe hina kini ya mzikaka mbito na bapanza, ya kina fumu samu na mzingu ya mbote. Mkembo ya kilungu ya banjinga ya bwana, ya kina mkwila kunata tisobolo ya nini na zamululu pena kukula ya nizawa. Ndomo solo kondwa kusajila yao na banjinga ya beto, ya kini jiambu ya wapakusu. Njinga ya ndidi ya mbutukuru ya kina kizi na ina kutala malo. Kaka na ina mekutala fumu ya kuzonzila banjinga ya beto, beto kuendaka kusala kimona mesu na lukolo lojini defe, samu na kuzaba mchindu bewe kubika manaka ya malongi ya Kituba Pelingala. Kachi na manaka ya malongi, bangi na beto ubizia na akuzo. Kena kulongoka bitolo mingi, mchindu kuzaba bilungu ya lumingu, bangonda ya mufu, nzabululu ya chikanda mpe ya kikuru. Na yao kuzaba kutanga peku bangula nzika ya lumputu na Kituba Pelingala. Na yao beto la mchindu bilongo kikena kulangisa luzabu ya ndokokolo. Katika ibazopegato la Kituba, addition, kubwela, soustraction, kukatula, division, kukabula, multiplication, kupunisa to kukumisa mingi. Mke kongye 0 jusqu'à 100, le 10, 110 à Kituba. Pe mke bakula la date ya kuku ya imaju le 5 mars 2024. 0 ataki mandokatu, 10, 10, 20, makumi zole, 30, makumi tatu, 40, makumi kia, 50, makumi tanu, soswe, makumi sambalu, soswe 10, makumi sambwaji, 80, makumi nana, 90, makumi kibwa, 100, kama mosu. Kilumbu ya zole na bilumbu tanu, ngonde ya tatu, mufu mafunda zole na makumi zole na iya. Je vais vous traduire les 12 mois de l'année au Kituba. Janvier, gonde ya tete. Février, gonde ya zole. Mars, gonde ya tatu. Avril, gonde ya iya. Mai, gonde ya tanu. Juin, gonde ya sombalu. Juillet, gonde ya sambwaji. Août, gonde ya nana. Septembre, gonde ya ivoire. Octobre, gonde ya kumi. Novembre, gonde ya kumi na mosi. Décembre, gonde ya kumi na zole. Pesa luvalu na banzinga ya beto na kusala chia kufwana na luzingu ya makululu na kifwani ya baisi ya kaka na kitanda ya Afrika. Mtuadisi ya lukolo lojeni defe, tata Eric Gislain Koja, mekubika manaka ya kuzambula banzinga ya Kituba Pelingala. Na kulongisa yao na lukolo leo. Na yao, tuka mufu mekufyoka mafunga zole na makumi zole na tatu, mpe na mufu ya ibi tukele. Ces élèves qui font désormais la fierté de la culture congolaise sont exceptionnels, car avec la pratique de la langue maternelle dans leur école, ils deviennent des polyglottes. Ils savent manier les langues Lingala et Kituba, deux langues nationales parlées au Congo-Brazzaville, leur ethnie d'origine, le français, la langue officielle, et l'anglais, langue enseignée au collège. Déjà, les Kituba et les Lingala sont au programme de l'école privée Les Génies de Fées. Son promoteur, Eric Gislain Kodia, présent à la cérémonie de ce mardi 5 mars 2024,
de la langue maternelle organisée par le musée Cercle africain le dit clairement. Depuis l'année passée, nous avons pensé qu'il était intéressant d'insérer ces langues. Pas seulement depuis l'année passée, parce que dans la charte africaine, le Congo avait ratifié depuis les années 1987 que l'apprentissage à l'école devrait se faire dans nos langues maternelles. Et puisque chez nous, nous avons deux langues nationales, le Kituba et le Lingala, raison pour laquelle nous nous sommes sentis à l'aise depuis l'année passée de commencer l'enseignement de ces langues. En effet, la cérémonie de la célébration de la langue maternelle qui a été célébrée en différé a connu la participation de plusieurs écoles, dont les génies de paix et d'autres invités. Au cours de cette rencontre linguistique, Eric Ghislain Kodia a reçu le trophée Joseph Tiamas pour la promotion des langues maternelles. Dès réception du trophée, il a été abordé par les journalistes. Il donne ses impressions. Merci pour l'équipe organisatrice. Et le trophée vient nous rassurer que nous sommes dans le bon chemin. Que la vision qui est la nôtre, la décision que nous avons prise, l'initiative d'insérer les langues chez nous, n'était pas mal réfléchie, c'était plutôt bien réfléchi. En fait, nous sommes dans la période, parce que c'était une initiative rangée dans les tiroirs, et nous, on a juste fait ressortir ça des tiroirs pour qu'ils soient enseignés. Et le trophée, c'est un encouragement pour nous. Comme je disais tantôt, ce n'est pas le trophée du promo. Non, c'est le trophée de l'école. Parce que c'est l'école dans son ensemble qui bâtit un travail de fond. Commençons par les apprenants, les enseignants, tout le corps administratif qui œuvre pour que ça soit possible. Et nous voulons aussi que les écoles qui sont encore un peu en attente ou bien qui sont un peu hésitantes puissent se joindre à nous. L'objectif, ce n'était pas qu'on soit les premiers, non. L'objectif, c'est que l'initiative se pérennise au niveau national. Média Plus Océan vous présente le résumé des allocutions et ambiances qui ont prévalu sur les lieux. La langue maternelle, comme le disent les spécialistes, est la première langue apprise à la maison, dans l'enfance et encore comprise par la personne au moment où les données sont recueillies. Si la personne ne comprend plus la première langue apprise, la langue maternelle est la deuxième langue apprise. La langue maternelle, disent encore les spécialistes, favorise la compréhension mutuelle et le respect d'autrui et contribue à préserver, j'allais dire, la richesse du patrimoine culturel et traditionnel enraciné dans toutes les langues du monde. La langue maternelle est donc un patrimoine immatériel d'une valeur inestimable. Cependant, il est à regretter que de nombreuses langues disparaissent chaque année, emportant avec elles toute la culture qu'elles sont censées véhiculer, ce qui est une perte énorme pour l'humanité. Mesdames et messieurs, la Journée internationale de la langue maternelle, proclamée pour la première fois par l'UNESCO et adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, souligne le rôle des langues dans la promotion de l'inclusion et la réalisation des objectifs de développement durable, notamment l'objectif numéro 4 qui dit « Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie ». Par là, il faut comprendre qu'il existe un droit à l'usage de la langue maternelle. Il ne peut y avoir de culture de paix, quel que soit l'endroit du monde où l'on se trouve, que si tout le monde a le droit d'utiliser sereinement, librement et pleinement sa langue maternelle dans toutes les circonstances de la vie. La célébration de la Journée internationale de la langue maternelle est donc l'occasion pour chacun et pour tous de comprendre qu'il existe sur Terre une pluralité de langues et que chaque langue a ses particularités qui la distinguent des autres et font d'elle une langue unique. Cela nous recommande donc de respecter la liberté de chacun de parler sa langue. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il n'y a de langue qui vive que celle qui est parlée. Parlons donc nos langues maternelles. En Afrique et particulièrement au Congo, apprenons également à écrire dans nos langues maternelles. C'est cela qui nous fera survivre tout au long de l'histoire de l'humanité. En ce 21 février, l'UNESCO invite précisément
a placé l'édition 2024 de la Journée internationale de la langue maternelle sous le signe de l'apprentissage et de la transmission. Les travaux scientifiques sont formels. Apprendre dans sa langue maternelle est une condition essentielle de la réussite scolaire. L'estime de soi s'en trouve renforcée. La curiosité de l'enfant éveillée dès son plus jeune âge. C'est pourquoi l'UNESCO œuvre à sauvegarder toutes les langues, notamment dans le cadre de la décennie internationale de langues autochtones 2022-2032. Par ce programme de grande ampleur qui veut attirer l'attention du monde sur la situation critique de nombreuses langues autochtones. Beno lakisa kusambu la ndinga ya beto ya mbwala. Beno baina kena kata baikolo, beno kena kutuadisa bana ya, beno kena kupesa ndongo solo, beno sadisa beto na kusambu la bandinga ya mbwala. Samti, bamvula ya beto kele ya, UNESCO, meko tapena kati ya mambu na mbwala ukela ntomosono ina kezi inglaka to développement durable. Na kati ba objectifs ya développement durable, ba metadi la paix mambu ya ndinga. Samti kana mtu zola kukuma mbote, yandi bomba, yandi kwenda na ntwala, ndinga lende bika na mandima. Atafieti ve. Ma, akituba na munu. To, akituba yange. So, akituba ya yange. Lot, akituba ya beto. Vot, akituba ya beto. Lor, akituba ya bao. En français, les adjectifs possessifs se placent avant le nom. Mais dans ma langue, le kituba qui se place après le nom. Mon ami, Kunjamounou. Leur chaussure. Papa Yabao. Notre maison. Inzo Yabeto. Je vais vous présenter les pronoms personnels en kituba. En Vili. Minou, Jay, Nandi, Besou, Ben, Ben, Bao. Je vous présente. Je vous présente les pronoms personnels en langue Lari. Meno, Nge, Yandi, Beto, Beno, Bao. Marcel Dembi, dite Merka, journaliste à MCRTV, détentrice du trophée de la précédente édition, a transmis ce dit trophée à Eric Ghislain Kodia. Elle donne l'importance de la langue maternelle et l'héritage qu'elle a légué à son successeur. La langue maternelle est très importante pour nos enfants. Aujourd'hui, vous pouvez signaler à l'enfant quelque chose devant les gens, mais vous n'avez pas cette possibilité-là de transmettre le message.
Or, ça, c'est très dangereux pour nous, dans nos familles. Deuxièmement, ça éveille l'enfant. Une fois que l'enfant parle Kituba ou Lingala, déjà, c'est très bien. Le message, c'était qu'il fasse encore plus pour l'année prochaine. Déjà, on a vu les enfants. Si à son école, je vois, il y a des collégiens, s'il y aura aussi le lycée, c'est très bien pour qu'il essaie de les emmener jusqu'au bout. Djidoubila, Mboloano, Mendibayi, Payi, Mouane, Wot, Amadja, Bouvos, Mbem, Bouboala, Nitasi, Diambu, Diboti, Moujetu, Mumbari, Odimbu, Payi, Mouane, Arevosi, Mbem, Bouandi, Didi radiboti. Il faut jeter botu, tu bere band betu, odimbu, bakajab, misamibual. Ça a été vraiment un étonnement d'entendre que c'est depuis 2002 que tout cela a été ratifié, même par le gouvernement congolais. Mais nous demandons à l'UNESCO de se rapprocher finalement du ministère de l'Enseignement afin que ces langues puissent être inséré dans le programme national du Congo. Donc, on dit ngaiboala kubala ben bazaba muzonzandi ngaiboala parce que ngaiboala yaike vukisanga bantu. Pour que les langues maternelles nous puissions les garder sinon les parler de façon pérenne dans notre pays, il faille que ce programme là puisse rentrer en vigueur dans nos écoles. Et ça c'est déjà une première par rapport à cette invitation. Nous avons vraiment découvert beaucoup de choses. Cette première école qui vient de bénéficier de ce trophée est déjà dans l'enseignement de ces langues maternelles au sein de leur structure. Samou twijiriku ngura wa mbote wena parce que bala fo bazaba mazumao. Bubu bala bekani rumputu kwa lutaba longesa mais inconvenience jing or ko mwana muna mukabutu gire fotizaba zuria de c'est très important. Vive la langue maternelle. Encore ma parent ya beto. Beno langi sa beto. Zonta ndingi ya beto. Sam siya ke lembote sam na beto. Mun mo sinaba pangi ya mungu.